Good morning, Aleida, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat David Ben Fortuna Mazal Fitna, Dvora, Bat Esther, Eliaou Vanish et Lucienne Bat Rejna. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserchet Nedarim, Perek Vav, Mishnah Gimel. Mina Kavush, Eno Asur, et la Mina Kavush, Shel Yarak. Kavush, Sheinitoem, Asur Bechola Kavushim. Mina Shalouk, Eno Asur, et la Mina Shalouk, Shel Basar. Shalouk, Sheinitoem, Asur Bechola Shlukim. Ashlakim. Mina Tzali, Eno Asur, et la Mina Tzali, Shel Basar, Divre Rabbi Yehuda. Tzali, Sheini Toem, Asur Bechol Atzluim, Mina Maliach, Eno Asur La, Mina Maliach Shel Dag, Maliach Sheini Toem, Asur Bechol Ameluchim. Vous avez déjà sûrement remarqué la redondance de la Mishnah, à savoir, on est dans le Perek Vav, on parle, comme ce qu'on a expliqué déjà au début du Perek, qu'on s'intéresse beaucoup à définir les choses, qu'est-ce que ça inclut, c'est-à-dire, on va prendre une situation, quelqu'un, il a mangé un aliment qui était aigre, trempé, macéré par exemple, ça lui fait des brûlures d'estomac, il a prononcé un néder qui ne pouvait plus jamais manger des aliments salés. Qu'est-ce qu'on va inclure dans son lachon selon la situation, selon le mot qu'il va utiliser et la manière dont il va s'interdire la chose, il va plus ou moins élargir l'ensemble des choses qu'il a interdit. Vous vous rappelez le principe, ouais, on avait déjà expliqué, ça se présente toute forme de situation. Le fameux exemple, je suis parti dans la synagogue, je ne sais plus ce que j'avais dit, des Thémanim, je me dis, ah, je ne profite plus des Thémanim. C'est quoi un Thémani? C'est un monsieur qui est né à Théman, c'est un petit-fils de Thémani, c'est quelqu'un qui prêchait les Thémanim, même si sa mère est ashkénaze. Même principe avec la nourriture. Qu'est-ce que ça inclut? Et si vous avez constaté dans la Mishnah, on a quatre formes de préparation d'aliments, qui sont des cuissons plus ou moins. Il y a Kavouch, après il y a Chalouk, après il y a Maliach, Tzali. Et le dernier, c'est Maliach. D'accord? On a quatre situations, il y a Kavouche. Kavouche, c'est le fait de faire macérer. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas, quand on était petit, on appelle ça les légumes macérés en général. Ouais, c'est plus fréquent, quand c'est fréquent chez les. Plus les. Comme ça, d'Afrique du Nord, surtout tunisiens, je connais surtout par là-bas, quoi, on aime bien manger des légumes macérés, ils appellent ça les variantes, avec toutes sortes de légumes qu'on laisse tremper longtemps dans du vinaigre ou dans du sel. Maintenant, lui, il a eu un coup de colère face à ses aliments, ça lui a fait, peu importe ce que ça lui a fait, il a prononcé que je fais le néder, je ne vais plus manger des kavouches. Des kavouches, je ne vais plus manger des macérés. Il n'a pas dit des aliments macérés. C'est qu'il faut bien, c'est un peu délicat, parce que je ne connais pas le terme exact en français. Dire le mot variante, ce n'est pas la bonne définition, parce qu'en fait, on cherche à dire qu'il a défini. C'est comme si on va dire des grillades. Ouais, peut-être je vais commencer d'ailleurs. On va commencer par le troisième exemple, ce sera plus facile. Il y a Mina Tzali. Je saute directement, d'accord? Je saute l'histoire de Mina Kavouch. Et après, il y a Mina Chalouk. Et après, on arrive à la troisième partie de la Mishnah. Il est marqué Mina Tzali. Regardez la situation. Il a mangé une grillade. Et après, ça le fait des problèmes. Je fais le néder, je ne vais plus manger de grillade pendant une semaine. Ah, grillade. Alors, regardez. Grillade, c'est pas forcément tout ce qui est grillé. Ce qu'on appelle grillade en général, c'est la viande qui est grillée. Du coup, est-ce que leur droit de manger un bon poisson grillé au feu de bois? C'est aussi de la grillade, non? C'est grillé. Alors sur ça, on va dire, écoute, si tu as dit, je m'interdis la grillade, donc tu fais, cette fois-ci, tu prends le nom commun qui a été utilisé à partir du mot grillé, mais que les gens appliquent spécifiquement la viande, donc tu seras interdit que de viande grillée, mais tu auras le droit de manger du poisson grillé, ou même des légumes grillés. Par contre, si quand tu as eu ton coup de colère et tu as dit « je mange plus rien de grillé », ah, je mange plus rien de grillé, ça implique que tu manges vraiment plus rien de grillé. Même pas un légume, même pas une aubergine grillée, même plus rien qui va monter sur des braises. C'est le principe, vous avez compris? Alors avec kavouche, j'ai pas le mot exact, parce que je sais pas s'il y a un terme en hébreu pour un terme en français pour qui va définir les légumes macérés, mais concrètement en tout cas, l'usage il est essentiellement de macérer des légumes. Et pas de la viande. Même si ça peut aussi arriver qu'on va macérer d'autres aliments, mais ça va sûrement sortir très bon. Il y a en Israël, on utilise beaucoup la guina bulgarite, fromage bulgare, ou grec même, la même chose aussi. On laisse un fromage qu'on laisse tremper longtemps dans l'eau salée, après on le sort, et on le met sur des salades comme ça. C'est aussi macéré. Mais dans ce cas-là, quand on appelle quelque chose de macéré, alors on définit pas les fromages macérés. En l'occurrence. Donc du coup, selon son coup de colère, s'il a dit « je mange plus les macérés », c'est un terme pareil,
Donc il ne mange plus les kavouches. Alors, et nous la mina kavouche, et la mina kavouche, elle est rec. Il n'aura interdit sur lui que les légumes macérés. Par contre, kavouche chez Nitoem, je goûte plus rien de macéré. Ah, là, tu fais plus allusion au nom commun adapté à l'ensemble des choses qu'on a l'usage de macérer, mais plutôt tu fais allusion à n'importe quel aliment qu'on a mis dans une saumure. Donc dans ce cas-là, tu as inclus même les fromages, et même si tu as fait une viande ou du poisson de macéré, tout sera interdit. Assur bekol agvushim, tu seras interdit dans tous les gvushim. Même principe, mina chalouk. Alors chalouk, c'est un peu délicat parce que c'est une marloquette en fait. Chalouk, c'est quelque chose qui est très cuit mais au point de fondre. Ouais, comme c'est les tagines de légumes comme ça qu'on laisse macérer longtemps ou de la viande. En général, c'est surtout la viande qu'on laisse cuire pendant longtemps. Ça fait un peu comme la viande de la dafina ou du tchoulent ou n'importe quelle viande qu'on cuit pendant 24 heures depuis la veille du Shabbat. Et après, on arrive à Shabbat midi, tout a le même goût finalement. À peu de choses près, d'accord? Parce que c'est le goût de la viande qui a beaucoup. Alors c'est chalouk. Selon Rashi, c'est ça, c'est le chalouk. C'était rapporté comme ça au début du Barthénora. Chez Nidbachel, yoterm et bicholot. Soit ils disent que Dafka, c'est le contraire. Chalouk, c'est quelque chose qui n'est pas assez cuit. Mais enfin, ça ne change pas le problème. Concrètement, je vous ai déjà dit, à l'achalé maasé, il n'y aura pas de grand intérêt parce qu'on va s'intéresser à ce que les gens appellent. Il y aura, oui, par rapport à la grillade, comme ce qu'on va arriver tout de suite. Mais pour l'enjeu, donc chalouk, c'est ce qu'on a fait mijoter longtemps. Alors, ce qu'on appelle. Je mange plus des mijotages, donc c'est des plats mijotés. Alors là, Eno Asur et là, Mina Chalouk El Bassar. Il ne s'interdit que ce qu'on appelle, ce que les gens appellent des mijotages, par exemple, c'est un terme pareil, ça implique que la viande mijotée longtemps. Tandis que si Chalouk chez Netum, je ne mange plus rien de mijoté, alors Asur Bekol Hashloukim, Bekol Hashlakim. Il s'interdit par tout ce qui a été Chalouk, en l'occurrence, même s'il a fait un poisson, même s'il a fait des légumes, tout ce qu'il aura fait, ce sera Chalouk. D'accord? On continue. Minasali. Je mange plus de grillade. Grillade, regardez. Le terme griller, vous savez ce que ça veut dire, faire griller, c'est qu'on prend des braises, on met dessus, on peut mettre dessus plein de choses. On peut mettre de la viande, on peut mettre du poisson, on peut mettre des légumes. Mais ce qu'on appelle un restaurant de grillade, vous allez venir manger, on ne va pas vous servir du poisson. Vous pouvez peut-être demander du poisson, on va aussi vous l'organiser. Mais en tout cas, manger une bonne grillade, on fait allusion à la viande. Du coup, il a fait le neder. Minasali, je mange plus de grillade. Et Noassour, elle a menacé les chalbassars, il s'interdit que la viande grise, qui est grillée. Dit Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Je ne sais pas s'il y a une marloquette, qu'est-ce que ça fait là en plein milieu. Mais Mefarchim n'en parle pas tellement. Et par contre, elle a dit, Tsali Shein Etoem, je goûte plus rien de grillé. Ah, alors là, tu fais allusion comment dire, à l'adjectif, plus rien de grillé. Là, dans ce cas-là, Asur Bekol Atzluim, il s'interdit tout ce qui a été grillé, tout simplement, même un légume. Et on continue avec le dernier cas, Minamalière, tout ce qui a été salé. C'était fréquent à l'époque. Ça existe encore. Aujourd'hui, on fait encore des saucissons salés. On fait encore des poissons salés. À l'époque, on faisait surtout des poissons salés, en fait. Il y avait aussi quand même bassard, mais moins. Essentiellement. Donc, du coup, quand on a dit des salés, alors on faisait allusion à Eno sur la Minamalière Sheldag. C'est interdit essentiellement le Malière Sheldag, le poisson salé. D'accord? Par contre. Malia, je mange plus rien de salé. Alors, Assur Bekol Amanouchim, il s'interdit de tout ce qui était manœuvre. Et même s'il a fait même un fromage salé, il a laissé comme ça. Le principe du salage, c'est que ça fait sécher toute l'eau, je sais pas exactement, et ça empêche la prolifération des bactéries et des toutes sortes. Ça fait que les aliments ne tournent plus. Donc, du coup, on peut tout faire en théorie. Mais concrètement, l'usage, il était plutôt de faire des poissons salés. Maintenant, s'il a dit je mange plus rien de salé, alors là, il s'inclut B. Des assourds, des kol amelouchim s'interdit dans tout ce qu'on a pu être, de tout ce qu'on a pu faire, salut, ok? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, kol tov, salam.